Pour moi, la danse, c'est un langage. Enfin, on raconte pas le même type de choses qu'avec des mots. J'avais appris auprès d'un de mes maîtres que tous les sentiments qu'on pouvait ressentir à partir du moment où ils étaient forts pouvaient être canalisés dans la création. Il se trouve qu'il y a souvent des choses drôles dans mon travail et ça arrive un peu malgré moi. Je ne fais pas un travail destiné à ce que les gens se flinguent en le regardant, mais j'ai envie d'amener toujours une forme d'espoir, de poésie, de beauté. Et l'humour me sert à ça. Dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux, il faisait la même prière d'être toujours, toujours heureux. Il y a un mélange de vraie et de fausse langue des signes qui crée une sorte de langage poétique, et c'est ça la danse, non ? Comme c'est un art qui peut être totalement abstrait, on peut faire des choses totalement abstraites en danse, comme on peut raconter des histoires. Donc on peut... la palette de sensations, de sentiments, de couleurs possibles est immense. Heureusement, sinon je ne ferais pas ça depuis 35 ans.